Allez, dans les missions du jour, on a un dessal à l'avant qui ne marche que lorsque le moteur est en marche, pour éviter que les gars, quand ils font du charter, forcément aillent exploser le parc de batterie. Et on est sur un bateau qui n'a pas de solaire. Donc là, on est en train d'installer le portique où on va mettre le solaire dessus. Et on installe le solaire justement pour pouvoir faire tourner le dessal quand on est en plein cagnard entre 11h et 13h là, et sans avoir à tourner le moteur. On n'a pas envie de foutre des heures au moteur pour rien. Et donc là, forcément, il va falloir modifier les lecs. Donc, voilà ce qu'on a sous mon lit. Et là, va essayer de falloir comprendre comment ils ont géré ça. Pour comprendre comment on peut envoyer le jus directement des batteries au dessal, sans avoir à passer par l'alternateur, puisque quand on démarre, je pense que ça doit être en rapport avec l'alternateur que se déclenche le fait que ça marche. Donc là, on est parti. On a un joli ballon d'eau chaude, puis il n'y a rien d'autre là-bas dessous. Donc je vais essayer de dépatouiller ça, et quand j'aurai compris ce qu'ils ont fait avec les fils et le système, j'essaierai de vous faire un petit débrief de ma compréhension et de la modif que je vais faire. Allez, on est parti, je vais me mettre les nez dans les câbles. Là, je vais rigoler 2 minutes. Bon, manip qui va pas être très très compliqué. J'ai mon moins général batterie qui est là. Donc j'ai mon coupe-circuit plus batterie démarrage qui est ici, et mon plus batterie de service qui est là. Ici j'ai mon gain d'eau. Ça, c'est un coupleur démarrage service au cas où j'aurais l'une des deux qui soit faible, que je puisse coupler les batteries. Là, j'ai un coupe-circuit pour mon watermaker. Alors si on regarde le coupe-circuit, donc ça, c'est un deuxième coupeur de service. Donc le coupe-circuit Watermaker, c'est celui-là. Donc si on passe de l'autre côté, on voit bien qu'il se retrouve ici. Donc c'est ce coupe-circuit qui est là. Et en suivant ce câble-là, on voit bien qu'il vient d'être, il est alimenté. Donc je vais essayer de mettre du recul pour que vous voyez quelque chose. Il est alimenté sur le deuxième en bas. Donc il y en a un ici, un là. Et celui-là, c'est le moteur. Donc il suffit tout simplement de récupérer ce câble là, hein, ici, qui passe et qui va sur le moteur. Je vais le débrancher de là et le brancher sur mes batteries de service. Et mon dessal viendra chercher sur les batteries de service. Ce qui veut dire que comme on va alimenter en solaire les batteries de service, elles devraient fournir le nécessaire pour faire marcher le dessal. Donc voilà. Le dessal qui fait 60 ampères en mode démarrage. Donc ça, c'est quand le moteur se met en route. Et il fait, je vais chercher mes notes parce que j'ai pris des notes quelque part. Il fait en fonctionnement, mon petit dessal. J'ai noté ça dans mon petit carnet quelque part. Il fait mon petit dessal, voilà. Donc c'est un moteur qui fait 600 watts, 46 ampères en fonctionnement et 63 ampères au démarrage. Donc il faut qu'on arrive à prendre assez d'intensité pour le démarrage. Après, il fera 43 ampères avec 1000 watts de panneaux solaires en 12 volts. Normalement, on devrait sortir facile 60 ampères en plein midi, donc ça compensera. Donc voilà la petite manip qu'il va falloir faire. Pas si compliqué que ça au final. Alors toujours dans les missions de préparation, donc on avait dit que ici, donc, on va sortir ce Furino de là, celui-là, là, l'indicateur devant, qui fait d'ailleurs aussi profondeur, et on va se le ramener quelque part par là sur la table. Donc là,
Je pense qu'ici on va mettre une jolie plaque pour cacher le trou. Et donc la mission maintenant c'est d'aller trouver ce qui se passe et où ça se passe. Alors ça se passe dans les fonds, hein, comme toujours. Alors on va aller voir ça dans le petit trou. Alors on est parti. Je vous amène avec moi explorer le fond du bateau. On va essayer de se mettre un peu de lumière. Alors. Voilà. Donc là. Donc ça, c'est le premier indicateur qui récupère tous les instruments. Et si on regarde, vous voyez que tout à fait sur sa partie tribord, ça doit être le connectique qui vient récupérer celui-là, puisque celui-là n'en a qu'un. Donc là, on va ouvrir cette boucle-là pour voir ce qui se passe dedans et voir quel fil va où. Et donc, effectivement, c'est bien ce câble-là, celui-là, là, qui fait le tour et revient et se met ici, là, ce câble-là. Donc, j'ai une longue distance, là, j'ai du rap sur ces deux câbles. Donc, on va gentiment les récupérer. On descend sur l'arrière ici et donc là j'ai l'arrière du bateau avec le système de barre donc qui se trouve ici, qui descend, qui vient sur mon pilote. D'ailleurs, quand on regarde la vase d'expansion du pilote, on se rend compte là bas qu'il est à moitié vide, mais par contre par là dessous on a toutes les gaines qui partent et elles viennent se mettre dans la fenêtre qui est là. Et donc là le bon truc c'est que si j'ouvre cette fenêtre et ben je me retrouve dans une place perdue, hein, au fond des coffres, mais je suis pile poil en dessous de la table extérieure. Donc ça c'est le fil que j'ai mis dans lequel il y a le jus, vous rappelez que je vous ai montré l'autre jour. Donc là j'ai juste à faire remonter un câble ici, suivre celui-là, passer par les gaines là et aller là-bas derrière, et je vais pouvoir le récupérer. Ce qui veut dire que grosso modo je vais pas être très embêté pour faire ça non plus. Ça devrait passer, donc on va faire ça gentiment, on va mettre un cage devant et puis ça devrait fonctionner. Il faut qu'on aille remettre de l'huile là dans le pilote. Je vais aller regarder les spécificités du pilote aussi pour avoir ça, et puis on est bien quoi. C'est tombé, chef! Allez, retour de la petite balade en forêt pour l'anniversaire à Mika. C'était magnifique. 26 ans. Ah oui, bien sûr. 26 ans. Donc voilà, deux avocats, tranquillement. Petit pamplemousse local et puis des papayes vertes. Papayes vertes. Petit pour un gratin de papayes. Tranquillement ce soir. Ça commence à devenir une tradition. Voilà. En attendant d'aller pêcher les poissons et les crabes coco, on fait plutôt vert en ce moment. Pas mal. On est content. Et surtout un magnifique point de vue. Oh, les hauteurs de Raiatea, c'est écœurant. Départ de Raiatea, petite balade. Ce charmant jeune homme a été mandaté pour ramener ce bateau à Papeete. Là, vous avez eu Aïné derrière là. Et on m'a gentiment demandé de l'accompagner, donc j'ai dit oui. Voilà, c'est un Beneteau 41, je vous ferai un petit tour quand on arrivera. Là-bas, bon, 24 heures de nave, vent dans le nez. Ça va pas être des plus plaisants, mais ça va pas être des pires. Hein. Voilà, bon, on a pris la première douche. Ça a été.
On se retrouve demain matin. Bon, petit grain de chez Petit Grain. Ah, ça penche. Oh putain. J'arrive pas à ronder. Il a le sourire, hein, il est tranquille. Non, ça va, c'est pas trop dégueu. On se fait un peu démonter, mais c'est bien noir. Ouais, on a coupé le moteur là, on est bien là. Regarde où il est là-bas. Bon, mais on est un peu dans l'angle par contre. Hein. C'est-à-dire que là, si tu veux faire pipi ou si tu rates. Voilà, hop, on mouille le liston. Si tu mouilles, tu te rates ton cou, mais tu finis dans l'eau. Tout mouillé. L'île de Mouréa avec Papette derrière. Bon, finalement on n'a pas trop mal avancé, on a réussi à faire un 6 de moyenne. Cette nuit il y avait du vent, donc on a sorti le génois, on a tourné à 7 nœuds pendant une bonne partie de la nuit, ce qui nous a fait perdre, récupérer le temps qu'on avait perdu au départ. Parce que pendant 6 heures, on a tourné plus à 3,5-4 qu'à 5. Hein. C'était vraiment pas beau à voir. Mais bon, on se rend compte que voilà, la mer est plus douce quand même dans le Pacifique, hein, même avec 20-25 nœuds pré-serrés, ça ne tape pas tant que ça dans la vague, je suis en 41 pieds, parce que la vague, la fréquence est plus longue, donc le bateau passe mieux. Quoi. D'où le nom d'océan Pacifique. Voilà, après 24 heures, un peu moins, une vingtaine d'heures de nav, 7-8 premières heures bien rock'n'roll, et puis après c'est calmé. On a pris quelques grains dans la nuit, on est arrivé un peu fatigué. Dans l'ensemble, il a bien marché ce petit 41 pieds, très inconfortable. Hein. On est d'accord, là, les deux skippers, vraiment très inconfortable.
Mais bon, c'est fait. Allez, de retour dans nos petits travaux. Là, on avait des planchers qui, tu vois, qui avaient pas mal souffert, qui sont pincés. Donc, on a récupéré ça à la disqueuse. Donc, on a fait de l'espace là pour récupérer ça. C'est pas mal. J'ai commencé à faire donc la douche extérieure eau de mer. Donc là on a fait un test qui est assez intéressant puisque j'ai récupéré donc ici dans les toilettes je voulais pas comment dirais-je faire un trou supplémentaire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré la prise d'eau WC sur laquelle j'ai été mettre un T que j'ai monté moi-même et la grande question c'est comment quand tu vas aspirer l'eau vu qu'il y a un T et qu'il y a un tuyau qui part vers les toilettes, est-ce que tu vas pas aspirer plutôt l'eau qui est dans les toilettes et pas aspirer l'eau qui vient de la mer? Et il s'avère que si vous avez des toilettes comme celle-là et que vous mettez la manette sur évacuation de ce côté-là, ça pose pas de problème. On puise bien l'eau extérieure et on ça se désamorce pas. Donc c'est assez intéressant. Donc on a fait passer le tuyau dans les fonds là, sous le moteur. Il part sur l'arrière, il n'y a plus qu'à le faire ressortir maintenant et mettre un système avec un Gardena. Donc on a acheté ça, bon, comme vous pouvez le voir on est un petit peu en working mode maintenant là. Ça j'ai acheté une boîte Plexo grande taille. Je pense que je vais essayer de monter voilà la taille du Furino qu'on a. Je pense que je vais essayer de le monter sur la boîte Plexo et le fixer avec une vis là-dessus. Ce qui va me permettre de le faire tourner et de l'avoir à portée. Donc ça, je suis en train de regarder ça. On a été démonter les câbles là-dessous. Là j'ai mis des caches parce que les enceintes qui étaient là marchaient pas. Pour là-bas j'ai déjà découpé le cache sur lequel je vais mettre donc on va enlever le répétiteur. Et là on est en pleine travaux de soudure et découpage, préparation du portique arrière. Alors notre test Bimini 100% étanche donc là c'est confirmé, ça marche. Donc il nous reste plus qu'à faire le pare-vague, du moins il nous reste plus qu'à faire le Bimini. Et là on est à la soudure, hein. Je vous amène voir ça. Crème de plancher, donc là bon j'ai plus de batterie mais voilà là je viens au ras en fait de cette ligne là. J'enlève ce millimètre et demi en trop pour récupérer. Bon il est dans un sale état, hein. Tu vois il s'est délaminé là. Plus tard on le re-remplira je pense à la colle bois. Là, les fer plats qu'on a récupérés sur lesquels on va faire des fixations puis des bouchages des trous. Allez, le premier, ça c'est pour donc lever l'annexe, c'est en place. Et puis là, tiens, Mika est en plein boulot, il est en train de préparer gentiment la soudure. Donc il fait ça tranquillement à l'ancienne, si je puis dire. Tranquillement pour la vie. Profitez-en, voilà. Bien tranquille. Donc ça c'est le cadre sur lequel va se mettre les panneaux solaires gentiment. Les pieds sont ici, c'est ces deux là. Donc voilà, ces deux là seront les pieds. Puis avec un système de poulies on viendra faire monter et descendre les deux qui sont là. On va vous montrer tout ça en action, ce sera pas mal. Donc voilà. Tu fais un break 2 secondes, Mika ? Tu fais un break 2 secondes ? Donc voilà, donc là, du renfort, hein. Ça va avoir cette tête-là. Je vais essayer de vous la prendre en grand. Voilà, la totalité. Donc ça, c'est le cadre. Il a fait des renforts. Soudeur professionnel ! On essaye, on essaye. Voilà.
soudés partout, hein, d'où pour tout simplement on va les faire étanches, qu'il n'y ait pas d'air ou d'eau qui rentre dedans. Ça va permettre de pas, comme c'est du galvaire, que la peinture, une fois qu'il soit peint, on ne soit pas trop emmerdé. Là, il va venir au bout du fer plat soudé aussi pour que ce soit bien fait. Bon, je pense que on a été un petit peu surdimensionné. Mais bon, comme Mika a l'intention de grossir dans les mois à venir. Ouais, des grands. Non, non, c'est pas très grave. On pourra surtout. Une des qualités de ça, c'est si ça arrive très souvent qu'en nav, tu as besoin de monter dans l'annexe pour faire quoi que ce soit. Et là, tu dis merde, j'ai l'annexe, le moteur, plus la nourrice, ça pèse. Voilà, je peux pas monter dedans, il y a un souci. Voilà, tu oublies un soir d'enlever le nab, elle se remplit d'eau, parce que là, quand ça tombe, ça tombe. Tu te retrouves avec 400 litres d'eau sur l'arrière du bossoir. Bon, là, on va pouvoir dormir tranquille de ce côté-là. Hein, chef ? Moi, je dors toujours tranquille. De toute façon. Oui, lui, de toute façon, il dort toujours tranquille. Bon, si vous voulez une ancre, on en a une en rab, hein, les copains. Donc là, il y a une ancre en rab, on est bien. Voilà, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba ici. On a aussi quelques enrouleurs de génois. Si vous avez besoin d'enrouleurs, voilà. Il y a quelques enrouleurs. Je pense qu'il y a ce qu'il faut, tu devrais trouver ton bonheur dans le chariot. Voilà le point vite fait, toujours dans un jardin et un atelier difficile. Hein. Là-bas, on a eu Aïné et nous, on est ici. Là, vous avez les lames de plancher qu'on a préparées pour nos radeaux de survie. Donc, ils vont être posés comme ceci. Donc, deux, le radeau posé dessus. Et on va venir le prendre sur 6 points pour l'attacher avec un système d'évacuation rapide. Donc, ça va être installé ici, là, hein, sous les radeaux à cet endroit-là. Donc, on est en train de préparer ça gentiment aussi. Donc, voilà. Voilà, ça bougera pas. Ici, on a fait des pré-trous pour aller mettre les hirondelles, comme on dit. Et puis voilà. Et voilà ce que ça donne fini. Donc là, tu vois, que tu sois à la barre, à bâbord ou à tribord, ben, tu as une excellente vue dessus. Et bien entendu, on peut tranquillement venir se mettre ici quand tu es sur le banc là, ou si tu as envie de te mettre dans l'autre sens de nuit, hop, rotation, et ça va tout seul. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est parfait, ça marche, ça fait le travail comme on le désirait. Donc voilà les copains, ça c'est fait. C'est pas la plus belle boîte du monde, mais elle est efficace.